Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Tout d'abord, on va parler setup. On n'est plus dans le setup canapé chill avec l'ambiance de derrière. Pour la simple bonne raison que ce setup est en travaux. Il est juste derrière la caméra, juste devant moi, du coup. Et si tu veux le voir, bah, faut me suivre sur Instagram, d'accord? Il est en construction. Il va venir peut-être dans quelques vidéos, dans peut-être une semaine ou deux, si tout se passe bien. En attendant, je me mets là tranquillement. Laisse-moi le temps d'aller à IKEA. Acheter quelques décorations pour qu'on soit bien, c'est important. Là en ce moment, je suis en train de préparer les nouveaux programmes de sport qui vont arriver sur la chaîne parce que voilà, plein de personnes font mes programmes et je vous remercie encore de toute la force, de tout le soutien que vous m'apportez et l'intérêt aussi que vous apportez au programme de sport. Donc je compte faire les choses bien sur ça. On m'a posé une question, d'accord? On m'a demandé si quelqu'un qui a le Covid peut faire du sport. C'est une question bête, mais pas bête à la fois. Mais je vais te dire pourquoi c'est bête, mais avant ça, j'ai fait une petite séance à la salle, elle était cool, d'accord? Et j'ai envie de t'en parler de cette séance parce que plein de personnes m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à sentir leur pec, d'accord? Et aujourd'hui, ma séance était justement une petite séance force un peu au niveau des pecs, afin de voir si j'ai encore ma force. Et j'ai pas encore ma force, clairement. Mais j'ai fait un petit module avant d'exercice pour bien sentir mes pecs et je vais t'en parler. On a commencé par un rituel très important, la clear way pêche. Je le prends à chaque début de séance et même quand je vais pas à la salle. D'ailleurs, on est bientôt à la fin. Ça va vraiment être dur pour les jours où je n'aurai pas. Mais j'ai fait mon rituel quand même. Clear way pêche tranquillement sur mon banc que j'ai privatisé. Ensuite, très important, j'ai fait un exo qu'on a déjà fait ensemble, les pompes sur banc. Ça, c'est un exercice que quand je le fais, j'arrive à bien sentir mes pecs, ça me pré-fatigue bien les pecs. C'est-à-dire que je prends le banc sur les côtés, je descends, je bloque 2 secondes et je remonte en contractant bien les pecs. Ça, c'est incroyable. Je sens bien mon centre des pecs et un peu mon haut des pecs bien bossé, tu vois. Et faire des séries comme ça, ça va t'aider à bien sentir tes pecs dans le développé couché. Moi, personnellement, quand je fais mes séances de développé couché, il se peut que parfois, je ne sente pas mes pecs. Donc, je fais quelques exos afin de bien pré-fatiguer mes pecs, histoire que quand je fais ma séance, je sois content et je les sente bien. D'accord? Donc, j'ai dû faire 4 à 5 séries entre 10 et 12 répétitions. Repos, ben, c'est un repos court, hein, c'est un repos de 20 à 30 secondes. Comme en ce moment, je fais beaucoup d'exercices de cardio, je cours beaucoup, donc je récupère très très vite. C'est du poids de corps, donc j'ai enchaîné assez rapidement et ça m'a fait du bien. Ensuite, j'ai incliné un tout petit peu le banc. Je suis désolé, il n'y a pas les degrés sur le banc. Je l'ai mis à 2, d'accord? Je l'ai incliné de 1 cran vers le haut, 1 ou 2 crans vers le haut. Et j'ai fait de l'écarté couché aux haltères, d'accord, histoire de bien étirer les pecs. J'aime bien ce mouvement et je sais pas, je sens bien mes pecs quand je fais ce mouvement en fin de séance de base, mais c'est un mouvement que j'ai la flemme de faire en fin de séance, d'accord. Donc je le fais en début de séance, juste après les pompes, comme ça je sens bien mes pecs s'étirer et pour le développer couché aux haltères, on sera bien, ok. Et le dernier exercice qui va te permettre à bien sentir tes pecs. Moi, j'aime bien faire cet ordre-là. En général, je fais les pompes plus cet exercice-là. Les écarter, c'était vraiment pour étirer un peu plus mes pecs, voir ce que ça donne. Mais ça m'a fait du bien. C'est l'exercice pec en unilatéral, d'accord? Au début, j'ai pris 20 kilos. Après, j'ai pris 30 kilos en halter. Ça, c'est un exercice qu'on fait aussi ensemble dans les programmes. Si tu suis un peu les programmes, on le fait ensemble. Hop, tu prends ton halter, tu fais 10 d'un côté, tu laisses halter en haut, 10 de l'autre côté et après 10 avec les deux. Ça va vraiment t'aider à bien sentir tes pecs. Ça va te faire mal et c'est bien, c'est vraiment bien, ok. Faut savoir une chose, moi en ce moment je me force à bosser sur banc plat et pas banc incliné, à part pour les écarter, histoire de bien bosser mes pecs en bas là, histoire de bien les dessiner. Parce que voilà, mes pecs, j'ai beaucoup travaillé le haut, j'ai délaissé un peu le bas. Et là maintenant, j'ai envie de bien gonfler le bas, j'ai envie d'avoir des bons gros pecs. Du coup, je rattrape mes erreurs en bossant toujours sur le banc plat. Et juste après ça, j'ai fait mon développé couché aux haltères. Okay? Il me semble que j'ai commencé avec les 40 kilos. J'ai vu que c'était dur. J'ai vu que c'était vraiment dur parce que voilà, ça faisait 3 semaines que j'avais pas fait de salle de sport.
en force, en lourd et tout, dans mon programme de prise de masse. Là, comme je suis sur du maintien, voire de la perte de poids, bah, j'ai perdu de la force. Ça fait longtemps que je ne suis pas là à la salle. Le corps, la force, il la perd vite, mais il la récupère vite. Je me suis fait 40, franchement, c'est chaud. Donc, je suis passé à 44, c'était limite. Mais j'ai fini ma série à 44 kilos. Et franchement, j'étais HS. En termes de séries de répétition, j'étais sur du 6-7 séries. D'accord, j'ai fait beaucoup de séries parce que je faisais qu'un exopec. Concrètement, je vais te dire pourquoi. J'ai fait 6-7 séries de 10 et 8 répétitions vers la fin. À partir de la 5e série, ça me faisait très très mal. Donc j'ai diminué, je suis passé à 8 reps. Mais ça m'a fait du bien vers la fin. Alors, en ce moment, voilà, comme je fais beaucoup d'exercices de cardio, c'est-à-dire que je cours, je fais un peu de traction, je fais un peu de HIIT et tout. Traction, j'essaie de le faire en dynamique, d'accord, en cardio, histoire de bien bosser mon cœur et tout. Donc, je me fatigue pas trop à la salle et j'ai de moins en moins de force à la salle. Ça veut dire que là, ce que j'ai fait, ça m'a suffi, ça m'a mis KO concrètement. Je pouvais pas faire d'autres exos, sinon j'allais baisser les poids et c'était dur. C'est ça que j'ai dit, que je vais prendre un exercice où j'ai des bonnes sensations sur les pecs, c'est-à-dire le développé couché aux haltères, et je vais me buter dessus en un exo. Et après, je fais du cardio. Je t'explique ce que j'ai fait juste après. Tu vois, le assobike, le vélo, là, le vélo où quand tu fais du vélo, on dirait que tu te bats, tu vois. J'ai fait ça avec, avec le kettlebell. Je sais pas comment s'appelle cet exercice-là, mais c'est un genre de squat ou je sais pas quoi. Tu lèves le kettlebell là. Ça bosse un peu les épaules et les jambes. J'ai fait 30 secondes d'assobike et juste après, j'ai fait 12 relevés avec le kettlebell. J'ai fait ce circuit 3-4 fois et ça m'a mis bien. Clairement, ça m'a mis bien. Moi, il faut savoir, c'est des exercices un peu en HIIT pour moi où je récupère très très vite. Je suis fatigué, je suis essoufflé, mais je récupère très très vite. C'est incroyable. Je suis bon dans ce type d'endurance-là, mais l'endurance pure et dure, c'est compliqué. C'est pour ça que juste après ça, en toute fin, je suis parti sur un tapis de course et je suis resté 1h10 à courir. 1h10 de course. Par contre, j'ai pas pu te filmer là parce que les tapis de course, c'est des endroits où tu peux mal filmer. Enfin, tu peux pas bien filmer en salle parce que c'est devant un mur. Je peux pas faire des plans cool. Il y a beaucoup de personnes sur les tapis. Ça veut dire que placer ma caméra, c'est quasiment impossible, à part si je viens le matin à 6h. Donc, j'ai fait 1h10 de tapis. Au début, j'ai couru 3 km, d'accord. J'ai fait 3 km à différentes vitesses. Au début, je mettais à 9. Après, je mettais à 10, après, je mettais à 13, après, je redescendais à 6, après, je remontais et tout. Bref, j'ai fait 3 km. Et une fois que j'ai fait 3 km, parce qu'en fait, mon examen, je t'explique, je dois faire 3 km en moins de 15 minutes. D'accord ? Pour l'instant, je ne le fais pas, clairement. C'est trop dur pour moi. Une fois que j'ai fait 3 km, j'ai fait des séances de sprint. J'ai marché pendant 5-6 minutes. Après, je faisais des sprints de 30-40 secondes. C'est-à-dire que je mettais le tapis à 18 ou 20. Je faisais des gros sprints et après, je trottinais. Gros sprint, après, je trottinais. Quand j'étais fatigué, vraiment fatigué, sprint, je trottinais, je marchais. Mais j'ai fait plusieurs séries de sprints jusqu'à arriver à 40 minutes de tapis. Il faut savoir que les 3 km, je les ai fait en 20 minutes à peu près. En 20 minutes, ouais. Parce que j'ai marché dans mes 3 km, franchement, c'était compliqué. Et arrivé à 30 minutes, ouais. Enfin, sprint. 30-40 minutes. Et juste après ça, ben, je trottinais tranquillement. Mais j'étais dans une zone de cardio où je me sentais bien. Au début, c'était dur. Mais là, j'étais bien. Et c'est la première fois que je commençais à transpirer comme un gros, tu vois. Quand je dis transpirer comme un gros, c'est vraiment transpirer où tu mouilles le tapis, tu mouilles partout. Ça m'arrive presque jamais, ça. Même quand je faisais du sport en club, ça m'arrivait pas de transpirer autant comme ça. Donc moi, il faut vraiment y aller pour que je transpire. Franchement, ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien. Et arrivé à 50 minutes, je me disais, bon, vas-y, je peux encore faire une heure. Donc de 50 minutes à une heure, sprint. Et de 1h à 1h10,
j'ai trottiné. 5 dernières minutes, j'ai marché histoire de bien reposer mon corps et être bien. Par contre, quand tu sors d'un tapis, c'est bizarre. Quand tu sors d'un tapis, en fait, moi, je me sens bizarre. Je sais pas si il y en a qui ont l'habitude de courir sur le tapis de sport, mais moi, quand je sors d'un tapis, même après 30 minutes, je sais pas, ma tête, elle tourne. Quand j'ai mis un pied sur le sol, ça, en fait, j'ai l'impression que ça bouge autour de moi. Ça, c'est parce que le tapis, il avance. Toi, tu t'adaptes à la vitesse du tapis. Et je pense que c'est pour ça que le tapis, c'est pas très bien. Mais bon, je me sens pas bien et tout, c'est bizarre. Je m'assois un peu, après, ça va mieux. Mais faut que j'essaye de courir dehors pour voir ce que ça fait, d'accord? De courir une heure dehors. Parce qu'il me semble que ça fait très longtemps que j'ai pas couru dehors pour le plaisir ou pour m'entraîner. Donc, faut que je vois ce que ça fait. Mais bon, très bizarre la sensation après tapis. Donc voilà, c'était ma petite séance cool. En ce moment, mes séances, elles sont comme ça, tu vois. Je prends un muscle, je le bosse et après, cardio. Parce que je me focus beaucoup sur mon cardio. C'est mon point faible et c'est ce que je dois améliorer pour mon examen. C'est important. Donc, on essaie de faire les choses bien en musculation et en cardio, surtout. Juste après ça, bon, on a une question qui m'a été posée avant que je fasse mes programmes. Est-ce que quand on a le Covid, on peut faire du sport? Comme je l'ai dit, c'est une question qui peut être bête, d'accord? Parce que le Covid, je pense que déjà, il y a plusieurs catégories de personnes. Ceux qui n'ont jamais eu le Covid, d'accord? Mais eux, je pense qu'ils seront bientôt barrés parce qu'on l'a, je pense qu'on l'a tous eu. Ceux qui ont eu le Covid, mais qui n'ont pas eu les symptômes, d'accord? Et ceux qui ont eu le Covid avec les symptômes, ok? Déjà, il y a une barrière dans ces personnes-là. Si toi, tu as le Covid et que tu penses à faire du sport, ça veut dire que tu as les symptômes du Covid, d'accord? T'as les symptômes, mais les symptômes... Non, ça veut dire que t'as pas les symptômes, pardon. T'as pas les symptômes du Covid. T'es juste... T'es testé positif. Mais tu peux rigoler, tu peux tout faire, d'accord? Là, oui, tu peux faire du sport. Mais quand t'as connu le vrai, d'accord? Le vrai Covid. Le Covid où t'es au lit, là. T'es au lit, tu bouges pas, même jouer à la play, t'as pas envie. Le Covid où t'as froid, d'accord? Le Covid où t'es sur le radiateur, mais t'as froid. Tu mets des couvertures, des pulls, tu transpires et t'as froid parce que tu transpires, ta transpiration elle est froide. Ce Covid-là, tu ne penses pas à faire du sport, d'accord? Tu ne penses pas à faire du sport. Moi, j'ai eu le Covid avec ces symptômes-là deux fois. Je peux te garantir que dans ces deux fois-là, je ne pensais pas à faire du sport, je ne pensais pas à jouer, je pensais à rien. Je pensais juste à... Est-ce que je vais être encore en vie ou pas? Clairement, parce que c'est incroyable. Après, oui, j'ai déjà été testé positif en n'ayant aucun symptôme, où je faisais du sport, j'allais au garage, je poussais, j'étais tranquille, d'accord? J'étais bien. Mais ça dépend de toi, comment tu te sens. Fais juste attention, d'accord, de ne pas aller à la salle et de ne pas contaminer les autres, parce que ça m'est déjà arrivé, ça, dans une salle. Très récemment, d'ailleurs, on est là au vestiaire, il y a un body, il vient, un bodybuilder, il dit, ouais, moi j'ai le Covid. Tu vois, comme ça, devant tout le monde. Le mec, il fait 1m90, il doit faire 100, 115 kilos. Qu'est-ce que tu vas lui dire? D'accord? Il a dit, je suis positif. D'accord? Je suis positif, j'ai le Covid, mais je viens. D'accord? Tu vois, il y a des gens comme lui qui s'en foutent. Il faut faire attention, d'accord? Faire attention. Et voilà, ça, c'est des gens qui respectent rien, malheureusement. Il y en a, il y en aura toujours. Respecte les règles, reste en quarantaine. Je sais que ça fait chier. Pousse, fais-toi un home gym. Parce que oui, on va faire des bails de home gym. Hein, avec ma playlist de home gym à petit prix, à gros prix. Et puis voilà, pousse à la maison, attends d'aller mieux. Et après, tu peux continuer à la salle tranquillement. Donc voilà, pour le frérot qui m'a envoyé le message, oui, tu peux faire la musculation si tu as le Covid. Tu peux. Tu peux pousser, tu peux courir, tu peux tout faire. Fais juste attention de ne pas contaminer les autres. Et si tu es en salle de sport, ben, malheureusement, ne va pas à la salle. Après, tu fais ce que tu veux, tu vois. Moi, je ne suis pas là pour surveiller, mais essaye de protéger les autres, de te protéger toi. Et puis voilà, si tu as tous les symptômes, là, ceux qui te mettent au lit, la question ne se pose pas, bien évidemment. Okay, c'est pas parce que tu ne pousses pas 2-3 jours que tu vas tout perdre. Bien au contraire, ton corps il va bien aimer le repos, ok?
Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que tu as kiffé et apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, fais-le moi savoir avec un petit j'aime dans les commentaires, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Sans oublier le lien du Discord et le lien de MyProtein qui est dans ma description. Ok, c'est important, c'est très très important. Moi, je travaillais les programmes de sport qui vont sortir sur la chaîne. Et aussi la deuxième vidéo, faire son home gym à 200 €. Ok, donc moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. I need to know everything. Who in the what in the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, it's 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws to turn to a ghost, I need to know everything. Now you'd be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk.